Alex a fréquenté la seule école adventiste du 7e jour des îles Andaman et Nicobar. Ces îles sont situées dans le golfe du Bengale. Elles font partie de l'Inde, même si elles sont plus proches des pays d'Asie du Sud-Est que sont le Myanmar et l'Indonésie. Alex garde de bons souvenirs de son apprentissage dans cette école située dans l'île. J'aime les professeurs de cette école parce qu'ils m'enseignent avec beaucoup de gentillesse. Le programme de l'école est basé sur la Bible. Il n'y a que 3 enseignants. Mais ce qui manque en quantité est compensé par la qualité de l'enseignement. L'école commence par une prière. Ensuite, avant d'entrer en classe, ils commencent par raconter une histoire liée à la Bible. Après quoi, ils leur enseignent chaque jour un verset à mémoriser. Cette école jouit d'une bonne réputation dans les régions environnantes. Tous les parents veulent voir réussir leurs enfants. C'est pourquoi les parents d'Alex ont fait confiance à l'école adventiste pour enseigner à leur fils. Malheureusement, l'école ne propose que des niveaux maternels et préscolaires aux enfants. Les parents doivent chercher d'autres options dans les systèmes éducatifs une fois l'école maternelle terminée. L'année dernière, nous avions 32 étudiants. Parmi eux, 9 ont obtenu leur diplôme. Cela signifie qu'ils ont terminé l'ensemble du programme de la maternelle. Puis, ils sont allés dans une autre école parce que nous n'avons pas d'études supérieures à l'école primaire. Dans sa nouvelle école, Alex accourt le jour du sabbat. Mais grâce à l'enseignement qu'il a reçu dans son établissement précédent, il peut défendre sa foi auprès de son professeur. J'ai dit à mon professeur que le 4e commandement nous obligeait à respecter le saint sabbat. Je dois alors observer le sabbat pour obéir à Dieu. J'ai donc dit à mon professeur que si je n'écoutais pas mon Seigneur, comment pourrais-je vous écouter? Il me faut absolument aller à l'église. Après la discussion entre l'enseignant et les parents d'Alex, ce dernier peut désormais s'absenter de l'établissement le jour du sabbat. Alex n'est pas le seul à devoir relever le défi d'aller à l'école le jour du sabbat. D'autres élèves adventistes sont confrontés au même problème. C'est pourquoi, ce trimestre, nous pouvons aider à étendre l'école adventiste au-delà de la maternelle jusqu'au lycée. Merci de prier pour le ministère de notre Église dans les îles Andaman-Nicobar. Tous les membres de notre Église prient pour l'école adventiste à notre niveau, c'est-à-dire jusqu'à l'école secondaire, car tous les enfants adventistes devraient poursuivre leur éducation ici même, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat ce trimestre aidera à construire la nouvelle école anglaise adventiste du 7e jour dans les îles Andaman et Nicobar, offrant un niveau d'éducation plus élevé afin que plus de gens puissent apprendre l'amour de Jésus. Merci beaucoup de soutenir par vos offrandes le 13e sabbat.